Shalom, Parashat Kitavo, la parasha des bénédictions et aussi des malédictions. Les bénédictions semblent être toutes des bénédictions matérielles. Les malédictions aussi, parce que dans notre vie à nous, eh bien, nous souhaitons vivre comme il se doit et essayer d'échapper au malheur. C'est pour ça que nous prions tous les jours pour la bracha, pour la santé. Mais dans les brachot, il y a une bracha supplémentaire. Tous les peuples de la terre verront que le nom de Dieu est inscrit sur toi et te craindront. Et les sages ont expliqué qu'est-ce que ça veut dire qu'ils verront le nom de Dieu inscrit sur toi. Ils disent ce sont les tfilin shel rosh, ce sont les tfilin que quelqu'un met sur sa tête. Parce qu'en fait, on a tfilin shel yad et on a tfilin shel rosh. Tfilin shel yad, c'est nous, avec Dieu, nos actes. On doit être discret. Et Tfilin Shel Rosh, c'est nos pensées. C'est aussi notre vision du monde, selon la Torah, qui, elle, doit être dévoilée. On ne peut pas cacher. Il faut l'annoncer. Et lorsque tu seras ainsi, que ta vie, bien que tu aies l'abondance, ta vie est une vie avec une dimension spirituelle forte, parce que les tefillines sont sur toi, à ce moment-là, ils te craindront et te respecteront. Shabbat shalom à tous.